面倒でも今回は真面目にやらないとな。めんどくせえ。じゃあすぐに片付けさせてもらうとするよ。絶望という名の褒美よな。さて次の獲物はどいつかな。受け取れ死という絶望。Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons partir analyser si oui ou non faut invoquer sur ces deux nouvelles unités. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, analyse de Rhea et Veto. Et nous démarrons avec Rhea, un DPS vert. Vous allez voir par vous-même ce que vaut le personnage avec cette fiche de description de ses compétences. Alors, premièrement, comme vous l'avez vu, il est en duo avec Licht pour sa compétence duo. Et par la même occasion, ses compétences sont un peu uniques en son genre. Il copie les buffs. S'il copie un certain nombre de buffs, il active une augmentation de dégâts, que ce soit en magique et en dégâts physiques, ou encore sur des dégâts de compétences. Plutôt, et encore sur des dégâts de compétences. Ce qui le rend un peu spécial. Je pense que cette unité, concrètement, si n'a pas de buff, ne vole pas de buff avant, en sachant qu'il a obligatoirement besoin d'un buff avant de pouvoir justement activer cette façade de sa compétence qui lui permet d'augmenter ses dégâts progressivement et de débloquer justement cet effet d'augmentation de dégâts, que ce soit sur ses compétences, de dégâts magiques, de dégâts physiques. Je vais pas le préciser, mais on va l'appeler quand même Yami V3. Parce que le personnage en soi, c'est juste une copie de Yami Rouge Standard. Parce que il a copié ses techniques dans l'anime, du coup, ils l'ont retranscrit dans le jeu. Alors, la seule différence, c'est que ce personnage est un DPS vert. D'ailleurs, quand vous passez l'unité LR, vous débloquez un passif qui lui permet de récupérer 15% de ses PV. Et bien sûr, sous une certaine condition, toujours après avoir perdu le buff à la fin du tour. Concernant sa carte, elle m'a l'air un peu basique. Mais voilà, le premier passif qui lui permet de copier deux buffs sur les ennemis. Applique l'effet de retirer deux buffs à un ennemi, ok. Et derrière, son passif. Au début du tour, si 3 effets de buff ou plus sont appliqués sur ce personnage, il gagne 62% de l'augmentation de la précision. Et ça pendant un tour. Passons à l'analyse de Veto et de sa carte. Alors, sa première attaque va permettre de debuff l'ennemi. C'est bien sûr son auto-attaque. Et ça pendant 2 tours. Un peu bizarre, mais ok. Sa deuxième compétence qui est une attaque AOE. Si les PV sont inférieurs à 60%, il applique sur lui-même 50% d'effet vampirique avant d'attaquer. Il applique sur lui-même également l'effet, le buff, augmentation des dégâts de 50%. Concernant son ultime, il attaque un seul ennemi et s'applique sur lui-même avant d'attaquer 60% d'effet vampirique. Si un ennemi a un effet d'affaiblissement de dégâts, du coup de réduction de dégâts, il applique sur lui-même 35% d'effet vampirique concernant son attaque duo. Alors, quand il utilise cette compétence avec n'importe quel personnage, il inflige des dégâts à un seul ennemi en passant avec son partenaire. 100% de chance d'appliquer l'effet de provocation à un seul, du coup au même ennemi pendant un tour. Son premier passif, Vampirisme, lui confère 15% de résistance pendant un tour. Et son passif Éveillé lui donne 14% de réduction des dégâts reçus aux ennemis de type boss.
Le personnage est un peu bizarre dans le sens où on ne sait pas s'il faut le jouer justement en PvE ou en PvP ou les deux. On va voir, mais pour le moment, de mon point de vue, là on va partir sur l'analyse et la conclusion, faut-il l'invoquer ou non. De mon point de vue, je pense que ce portail-là, celui de Veto, doit être à tout prix évité. J'ai oublié de parler de sa carte, désolé, autant pour moi. Alors qu'est-ce qu'elle fait sa carte? Sur sa deuxième compétence, si les PV sont inférieurs à 60%, appliquez un effet qui s'appelle jour de 50% avant d'attaquer. Attaquez après avoir appliqué un effet de buff de 20% d'augmentation des dégâts sur lui-même pour chaque allié maîtrisé. 60% de chance d'appliquer augmentation de la durée de l'affaiblissement de un tour à l'ennemi. Son deuxième passif, lors de la récupération, gagne 140% de sa propre attaque en tant que barrière pendant 2 tours. Ok. Du coup, le personnage, pour moi, pourrait se diriger sur des stats attaque, full attaque, pour justement privilégier son vampirisme et derrière passer de l'attaque à la barrière en permanence. Après, je ne sais pas ce que ça vaut, mais pour le moment... Alors, conclusion. Est-ce qu'il faut invoquer ou non? Alors, pour ma part, je ne pense pas qu'il faudra invoquer primordialement sur ces deux unités, en sachant que derrière, dans moins de 8 jours, nous allons avoir le portail saisonnier, qui d'ailleurs, je pense, les unités vont être totalement bullshit. De toute façon, là, on l'a vu avec Yami saisonnier, Asta saisonnier, Rocky. Je pense que on peut se permettre de skip ce portail-là. L'unité n'est pas intéressante. Plutôt, les deux unités ne sont pas ouf. Pourquoi pas quelques multi sur Rhea. Mais Veto, de ce point de vue-là, le perso ne m'a pas l'air incroyable. Même s'il a une bonne capacité contre les tanks, dont un bon passif contre les tanks, le perso, dans sa globalité, n'est pas intéressant. Parce que s'il faut le jouer attaque, ça va le rendre squishy. Si on le rend squishy, ses ratios AD sur le coup vampirisme ne seront pas 100% exploitables. Du coup, le jouer là, quand on l'imagine le jouer de cette manière-là, du coup, il faudra le jouer hybride le dernier move. Et du coup, il faudra le jouer en attaque et en tankisme. Mais bon, c'est un peu spécial comme personnage. Par contre, pour Rhea, nous restons toujours sur la thématique 1, 2, voire pas plus de 4 multi, vraiment grand maximum 4 multi. L'unité pourrait être intéressante pour la team verte, pour justement farm les équipements et les autres ressources qui ont besoin d'une monocouleur verte. Et l'unité en soi pourrait être intéressante car je pense que le personnage dans ses statistiques pourrait avoir autant de ratios dégâts physiques que des dégâts magiques. Et du coup, demain, nous allons avoir la confirmation sur leur stats. Et nous allons retourner une vidéo pour voir s'il faut invoquer sur ces unités. Et du coup, voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir, les amis. Sur ce, je vous dis ciao.